Merci, mon pasteur. Coucou tout le monde, on espère que vous allez tous très bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit moment que Oli m'a inspiré. Ça s'appelle Une heure with God. On va passer un moment dans la présence de Dieu avec mes frères, dans l'adoration, l'intercession et la prière. J'espère que ce moment vous fera du bien. Et bien avant de commencer, j'ai envie qu'on prie pour ce moment, qu'on prie pour recommander le moment à Dieu. Parce que nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous allons d'abord lui dire merci pour la grâce qui nous fait d'être en vie, la grâce qui nous fait d'avoir la santé, de pouvoir nous retrouver en ce moment. Donc tu vas fermer les yeux, élever la voix et dire merci à ton Dieu pour le souffle de vie. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci pour le souffle de vie. Éternel, merci pour la santé que tu nous accordes. Merci Seigneur, parce que si nous sommes levés ce matin, c'est parce que tu as voulu nous donner cette grâce encore. Seigneur, nous ne le méritons pas, mais Seigneur, tu as encore manifesté ton amour dans nos vies. Tu as encore manifesté ton amour envers nous. Père, nous te disons merci pour nos vies, merci pour la vie de nos parents. Merci pour la santé que tu nous accordes, que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus que nous avons tous prié. Amen. La Bible dit que lorsque nous approchons du trône de Dieu, nous devons être saints, car Dieu est saint. Il faut que tous ceux qui l'adorent soient aussi dans ce même esprit de sainteté. Et il dit dans sa parole que si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous savons que nous venons dans un esprit de prière et que Dieu connaît le cœur de chacun. Donc tu vas prendre un cœur humble, la position qui te sied, demander sincèrement pardon à Dieu pour tout ce que tu as pu faire qui était mal. C'est faire une sincère repentance et dire au Seigneur que aujourd'hui, tu veux qu'il te pardonne. Aujourd'hui, tu viens avec un cœur sincère. Élève la voix. Demande pardon à Dieu. Toi, seul, tu sais ce que tu as fait. Seigneur Jésus, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies mieux que nous-mêmes. Nous venons devant le trône de ta grâce, Seigneur, pour te demander pardon pour tout ce que nous avons fait qui n'était pas à ta gloire, qui ne te glorifiait pas. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons pu insulter, mal parler, avoir des mauvaises pensées qui ne te glorifiaient pas. Seigneur, nous te demandons pardon. En même temps, tu réclames son sang pour qu'il te lave, te couvre. Que ton sang, maintenant, Seigneur, vienne laver chacun de nous, vienne purifier chacun de nous, corps, âme et esprit, que tout ce qui n'était pas de toi n'ait plus de place en nous. Seigneur, sanctifie-nous et donne maintenant un libre accès dans ta présence. Donne-nous d'entrer librement dans ta présence, Seigneur Saint-Esprit. Merci parce que nous savons que, parce que nous avons été sincères, tu nous as pardonné, que toute la gloire te soit rendue. Merci Seigneur Saint-Esprit pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Nous savons que là où deux ou trois sont présents, son esprit est là. Là où deux ou trois sont assemblés, nous savons que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et nous voulons qu'il se manifeste, nous voulons qu'il agisse au travers de nous afin d'effacer nos personnes. Donc tu vas prier, tu vas dire Saint-Esprit, efface ma personne, efface-moi. Fais en sorte que dans ce moment, soit toi seul qui règne, tu puisses venir bénir des vies, bénir nos cœurs, nous bénir nous-mêmes. Et nous voulons te donner la première place en ce lieu. Donc appelle le Saint-Esprit, dis-lui de venir diriger ce moment. Seigneur Saint-Esprit, nous avons besoin de toi en ce lieu. Seigneur, nous prions afin que tu viennes conduire tout ce qui va se faire. Seigneur, nous savons que tu es là et nous savons que ton esprit conduit ce moment. Seigneur, descends ton esprit maintenant afin de toucher des vies, toucher des cœurs. Parce que nous savons que tu es là. Nous savons que tu es en ce moment. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Et on va dire tous ensemble, tout doucement. Tu es là. Tu es là, tu es là, nous avons besoin de toi. Tu es là, oui, tu es là. Encore une fois, tu es là. Yahweh, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Oui, nous avons besoin de toi. Tu es là. Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi.
Yahweh, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Nous avons besoin. Encore une fois, tu es là. Yahweh, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. T'adorer, ô Seigneur. Si je vis, c'est pour t'aimer, t'adorer. Oui, t'adorer, ô Yahweh. Moi, si je vis, c'est pour t'aimer et t'adorer. Oui,
papa est assis sur le trône. Il n'y a jamais 10 ans assis sur le trône, assis sur le trône. Oui, tu règnes à jamais. Yeah. Encore une fois, assis sur le trône, assis, assis.
shadi alep da nanano sadava leshi anana Elohim Adonai. Dada, c'était velouche à dire les brandianos à la valica nana. Yeshua, 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 Yeshua. Est-ce que tu peux monter en esprit et lui dire Yeshua? Ça dit à l'ébra, nanano, ça dit à va. Lika nanano, zanava, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Ah, Yeshua. Tu es élevé au-dessus de tout. Disons Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé au-dessus de tout. Tous ensemble, disons Yahweh. Au-dessus de tout. Encore une fois, dis Yahweh.
je viens avec mon cœur. Parle à ton Dieu, parle-lui, prie, prie. Ne prends pas le temps d'adorer, prie, parle-lui, il est là. Tout ce que je désire, c'est t'adorer. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, moi je te Adonai, toute ma vie, Seigneur, aujourd'hui je viens prier dans ta présence et j'oublie tout. Moi je me focus sur toi. Ta présence me suffit largement. Ce que les hommes peuvent dire de moi m'importe que tant que je sais ce que tu penses de moi. Moi j'oublie tout de moi et je me focus sur toi. Yahweh, je sens ta présence en ce lieu. Je sais que toi, tu peux toucher les cœurs. Alors maintenant, j'oublie tout de ma personne, je me concentre sur toi. Je sais pas qui tu te confies, laisse-moi te parler de lui. Il est l'oreille attentive à laquelle tu peux parler. Je sais pas ce qui te chagrine. Mais je sais que Jésus est là et il peut tout changer. Car le nom de Jésus est d'une efficacité là où ils sont humiliés et peut te restaurer. Le nom de Jésus est d'une efficacité là où ils sont humiliés, il peut te relever. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Le nom de Jésus, le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où il t'a humilié, il peut te relever. La voix des sans-voix, tu es le repos de mon âme, mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Suffit pour changer ma vie. Je suis né dans ta présence. Suffit pour
pour changer mon cœur, Yahweh. Une heure dans ta présence suffit. Pour changer ma vie. Une heure dans ta présence suffit. Pour changer mon cœur. Une heure dans ta présence suffit. Pour changer mon cœur. Une heure dans ta présence suffit. Pour changer mon cœur. Une heure dans ta présence suffit. Pour changer mon cœur. Une heure dans ta présence suffit. Encore une heure. Pour changer mon cœur, une heure dans ta présence. Pour changer, changer, pour changer, papa, une heure. Pour changer mon cœur, pour changer mon cœur, une heure dans ta présence suffit. Pour changer mon cœur, pour changer mon cœur. Pour changer mon cœur, 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 pour changer mon cœur. Pour changer mon cœur, pour changer mon cœur. Yeshua, ya, ya. Yeshua, ya, ya. Ah, ya, 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 ya. Yeshua. Yeah.
radia lev radia na 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 sadia de velusha na 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 do sadia dans cette atmosphère parle à ton Dieu, dans cette atmosphère parle à ton Dieu, Seigneur nous sommes là pour toi. Nous savons que tu es là. Est-ce que tu peux prier? Ne te tais pas dans cette atmosphère. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Élève la voix. Parle à ton Dieu. Dans cette atmosphère, il est là. Parle à ton Dieu. Dans cette atmosphère, il est là. Il est là. Yahweh est là. Yahweh, nous savons que tu es là. Nous savons que tu conduis ce moment. Élève la voix, parle à ton Dieu. Il t'écoute en ce moment. Est-ce que tu peux prier? Si tu te tais, c'est que tu ne réfléchis pas. Dans la présence de Dieu, tu ne peux pas te taire. Dans la présence de Dieu, tu ne peux pas rester bouche bée. Parle la voix haute et qu'on t'entende. Dans la présence de Dieu, ce n'est pas le lieu de rester calme. C'est le lieu d'ouvrir la bouche, de parler et de dire à Dieu ce que tu veux dire depuis longtemps. Tu n'as jamais le temps de prier, c'est le moment. C'est le temps que Dieu t'accorde pour que tu lui parles. Élève la voix, parle la voix haute. Parce que Dieu n'est pas dans les murmures. Tu murmures, Dieu ne t'entend pas. Ceux qui murmurent n'ont jamais leur prière exaucée. Si tu vois qu'on ne t'exauce jamais, c'est parce que toujours tu murmures dans la présence de Dieu. Quand tu murmures dans la présence de Dieu, c'est comme si tu es là, mais tu n'es pas là. Ta présence est égale à ton absence. C'est aujourd'hui que tu dois parler à Dieu. Si aujourd'hui on ne t'entend pas parler à Dieu, c'est pas quel jour tu vas parler à Dieu encore. Ferme tes yeux, reste disposé, reste concentré. Et puis parle à Dieu comme il se doit. Parle à Dieu correctement. Tu fermes les yeux. Parce que dans la présence de Dieu, tu n'es pas disposé, tu es frappé. Dans la présence de Dieu, tu n'es pas disposé, tu es frappé. Je ne vous entends pas prier même. Je ne vous entends même pas prier. Fermez les yeux, vous priez correctement. Fermez les yeux et puis vous parlez à Dieu. Comme si... Ah! Si quelque chose qui te plaît pas, tu parles pas. Mais tout ce qu'il y a dans ma vie, je ne veux pas avoir tes yeux ouverts. Je dis, ferme tes yeux, tu parles à Dieu correctement. Priez et puis parler fort. Ah, dans la présence de Dieu, tu as tété encore. Toujours tu te tais, toujours tu as sur TikTok. Toujours tu prends jamais le temps de prier. Tu n'as jamais le temps de prier. Quand on parle de prier, on parle de méditation, on parle d'adoration, tu n'es jamais disposé. Dieu ne te parle jamais. Aujourd'hui, il veut te parler. Dispose-toi à l'entendre. Souvent, c'est juste parce que toi-même, tu ne te concentres pas pour parler à Dieu que Dieu ne t'entend pas. Quand tu es dans les murmures, Dieu ne peut pas exaucer les murmures. Dieu n'exauce pas les personnes qui murmurent. Dieu exauce les violents. La parole de Dieu dit que le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en ont pas. Dans ces derniers temps où on est, il y a seulement des personnes qui sont disposées. Des personnes qui acceptent d'être des vases. Même si tu n'as jamais prié, même si tu n'as jamais parlé en langue, dans cette présence-là, nous on croit fermement que Dieu est là et que Dieu peut tout changer. Même les situations que tu n'as pas vu transformer peuvent être transformées maintenant. Même la situation qui a duré depuis longtemps, tu as dit qu'il n'y avait plus de solution, Dieu peut apporter solution maintenant. Si tu te tais, c'est que tu veux rester, laisser les choses comme ça. Est-ce que tu es satisfait de comment ta famille vit? Est-ce que tu es satisfait de tes études? Est-ce que tu es satisfait de tes résultats scolaires? L'année arrive, peut-être que tu as un examen à passer. Peut-être que le diable m'a dit prévu que toi tu vas échouer, mais dans cette présence là, en fonction de ce que tu dis à Dieu, Dieu agit. En fonction de ce que tu demandes à Dieu, Dieu agit. Si tu te tais, c'est fini. Oh, si tu te tais, c'est fini. Oh, le temps qui est là n'est pas favorable. Le diable cherche des gens à avoir, le diable cherche des gens à toucher. Et dans cette atmosphère, tu veux te taire, dans cette atmosphère, tu veux te calmer, dans cette atmosphère où les anges sont là, ils sont deux anges qui sont spécialement pour les études. Et si tu n'es pas disposé, tu ne peux pas les voir. Si tu n'es pas disposé, tu ne peux pas les entendre te toucher. Et ils touchent particulièrement quelqu'un. Je ne sais pas si c'est ici seulement ou bien si c'est chez vous. Mais dans tes études, c'est comme si on dit que tout est mélangé. C'est comme si on dit que il y a des choses qui ne vont pas arriver. Mais parce que tu es disposé aujourd'hui, parce que tu t'es disposé aujourd'hui, je dis que, hé Seigneur, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Tant que tu lui parles là, tout est possible. Dieu peut tout changer maintenant. Et ces deux anges-là, ils sont spécialement pour les... Je les vois comme s'ils sont spécialement pour les études. Genre, Seigneur Jésus. Seigneur, si les personnes que tu as mandatées, qu'elles soient touchées. Ne te tais pas dans cette atmosphère. Si tu as quelque chose à demander à Dieu, l'atmosphère est favorable. Et nous savons que les anges montent et descendent avec nos requêtes et nos prières. Et Seigneur, Seigneur, tu me dis qu'ils sont spécialement pour les études. Et je prie afin que tout ce qui est échec scolaire n'ait point de place. Seigneur, je prie afin que la réussite aux examens se monte palpable. Seigneur, je prie pour tout ce qui était blocage au niveau de leurs études, pour tout ce qui était blocage au niveau de leur intelligence, pour tout ce qui était blocage, Seigneur, je prie afin que tout cela soit débloqué. Père, je prie afin que leur relation avec toi soit renouvelée. Et j'entends comme si il me dit, il y a des gens qui n'ont pas de relation avec moi juste parce qu'ils ne passent pas du temps avec moi. Il est toujours disponible. Il dit qu'il se laisse chercher par ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Tant que tu cherches Dieu, il est présent pour t'écouter. Tant que tu cherches Dieu, il est présent pour t'écouter.
Et dans cette atmosphère-là, je sens cet esprit salir, valo, chalia. Le brani, ça devait louche, adadadado, sana. Seigneur, je sais que tu ne rends pas ce moment au hasard. Père, je sais que rien n'arrive au hasard avec toi. Père, je sais que tu disposes toujours toutes les choses. Et Seigneur, nous ne voulons pas lutter, nous voulons monter en esprit. Nous voulons monter en prière. La Bible dit que celui qui parle en langue, c'est lui-même. Lorsque tu parles en langue, le diable ne peut pas entendre ce que tu dis. Peut-être que tu pries en prière en français pour ta famille, tu pries en français pour tes choses. Mais le diable entend, le diable peut te prier là, il va faire des trucs bizarres. Quand tu parles, ça li va l'eau, ça li aba. Li kado, ça ne ve lou, ça saba. Le ve lou, ça li a, le bra nananado, ça saba. Li kananano, ça se ve, le bra li a do, ça naba. Li kano, ça naba, le bra nananado, ça naba. Li kano, ça li aba, le bra nananado, ça naba. Le kado, ça ne ve lou, ça naba. Ve lou, ça nananado, ça saba. Le bra li a nananado, ça naba. Ça li va l'eau, ça da 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 do, ça naba. Li kano, ça naba, le bra da 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 do, ça naba. Le kano, ça li aba, le bra da 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 do, ça li aba. Le kana na 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 do, ça naba. Ça di ve le bra di di do, ça li aba. Le kana. La Bible dit que lorsque nous estimons nos prières par des soupirs inestimables, Dieu qui est entre les cieux, il nous entend. Ferme la porte de ton cœur, ouvre la porte de ton cœur à Dieu aujourd'hui, parce que je sais qu'il t'écoute, parce que je sais qu'il est là, parce que je sais qu'il entend, et parce que je sais que cette adoration est favorable. Continue de prier, continue de parler à Dieu parce qu'il est présent. Continue de parler à Dieu, continue de parler à Dieu, continue de parler à Dieu. Ça n'y va l'eau, ça n'y a brané, velou, chada. Je ne sais pas, peut-être que ta vie de prière, tu l'avais perdue avant. Peut-être que ta vie de prière, tu l'avais perdue, mais aujourd'hui, il reste une nouvelle onction pour toi. Il reste une nouvelle onction pour ta vie. Une nouvelle onction pour toi, une nouvelle onction pour toi. J'entends une nouvelle dimension. J'entends une nouvelle dimension et Dieu va beaucoup utiliser les jeunes. Dieu va beaucoup utiliser les jeunes. Dans l'intercession, dans l'évangélisation, dans l'adoration, Dieu va beaucoup utiliser les jeunes. J'entends Ezeli Velou Shadaba. Librani Valo Shadada. Likado Shania Vale Brada. Sadevelu Shadia Leka Nanando. Sadia Vale Brananananananando. Sadia Valikado Shadevele Bradidi Soli Ezeli. Kadanado Sadevele Bradada. Sadi Vale Kado Shadeve. Libradidi Sadi Valo Shadia. Sadi Kado Shadavale. Tout ce que tu n'arrivais pas à faire, tout ce que tu essayais de faire de par toi-même, maintenant tu as le Saint-Esprit. Maintenant tu as le Saint-Esprit, tu ne le fais plus de toi-même. Maintenant tu as le Saint-Esprit, tu ne le fais plus de toi-même. Tout ce que tu n'arrivais pas à faire par tes propres, tu arrives à le faire maintenant au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit t'aide. Ça t'est fait louche, Adia. Les bras d'ananano, ça t'a valé, cadeau, ça n'a valé, bradiado, ça n'a pas. Ça n'y a nano, ça n'a valé, cadeau, ça n'a pas. Les bras d'iado, ça n'y a valé, cadeau, ça n'a valé, bradiananano, ça n'a pas. Ça t'a valé, bradiado, ça n'a pas. Licano, ça n'a valé, bradiado, ça n'a pas. Licadado, ça t'a valé, bradiado, ça n'a pas. Licano, ça n'a pas les bras d'ananano. Sa présence assure ce lieu. Sa présence assure ce lieu. Et dans cette atmosphère, tout est possible. Dans cette atmosphère, tout est possible. Dans cette atmosphère, tout est possible. Ça dit à les bras d'ananano. Licano, ça n'a pas la dose. Les bras d'ananano. Ça n'a pas les ananano. Ça n'y a pas. Ça dit avec les bras d'ananano. Ça n'a pas les canano. Ça va valer bradiado, ça. Licano, ça va valer bradiado. Ça se fait les cadeaux. Seigneur, nous voulons des violents. Seigneur, nous voulons des violents dans ta présence. Seigneur, nous ne voulons rien laisser passer. Nous ne laissons tomber aucune de tes paroles. Et même si tu n'as pas pu faire tout ce que tu avais demandé depuis le début de cette année, moi je sens, moi je sais, moi je sens que maintenant c'est possible. Que maintenant c'est possible, 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 que maintenant j'entends une nouvelle dimension.
donne une nouvelle dimension. Soupir après lui, des épreuves de lui. Seigneur, nous venons puiser dans ta présence. Nous sommes rien sans toi, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, si la gloire devait nous prendre, Seigneur, enlève à nous. Si le péché devait nous prendre, Seigneur, éloigne-nous de cela. Seigneur, si l'argent devait prendre nos cœurs, éloigne-nous de cela. Rapproche-nous davantage de toi. Nous voulons te connaître encore. Seigneur, nous voulons une nouvelle dimension de toi. Tu te révèles de manière particulière à tes enfants. Éternel Dieu, nous voulons plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Sadia, lève, nanando, sadaba. Nikado, sadia. Et je veux juste dire. Plus de toi encore. Sada. Nikado, sadia, lève, nanando, sadaba. Plus de toi encore dans cette atmosphère. Sadia, lève, nanando, sadaba. Nikado, nanando, sadaba. Plus de toi encore. Sadia, lève, nanando, sadaba. Tout pour moi.
que tout pour moi. Une de ta présence vaut mieux que tout pour moi. Sandy, les velous, Shada. Maintenant, vous avez 10 minutes. Vous avez 10 minutes pour demander tout ce que vous voulez à Dieu. Parce que l'atmosphère est favorable. C'est comme si c'est le ciel sur la terre. C'est l'atmosphère du ciel sur la terre. Et lorsqu'on est au ciel, tout est possible. Tout devient possible. Donc, si tu ne te tais pas de cette atmosphère, ça est velouche à dire. Les bradidi velouche à nananando. Ça, tout ce que tu pensais impossible est maintenant possible. Mets cela en ton esprit. Tout ce que tu pensais impossible est maintenant possible dans cette atmosphère. Tu as juste à déclarer de manière prophétique et c'est sûr que ça arrivera. Parce que nous savons que les 4 derniers mois qui restent de 2023 seront des mois de témoignage. Des mois de témoignage de ce que Dieu a fait. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et Dieu dit qu'il n'y a aucune parole qui sort de sa bouche qui ne revient à lui sans qu'elle ne soit accomplie. Et aucune des paroles de Dieu ne tombera à terre au nom de Jésus. Maintenant, tu élèves ta voix et tu déclares de façon prophétique. Ça, Evelouchadia, Lebrani, Evelouchananando, ça, ça va, les Kadosha. Que ce soit pour tes études, pour ta famille, que ce soit pour tes finances, pour tes affaires, que ce soit pour ton ministère, maintenant, élève la voix et déclare ça, Evelouchadia. Les bras nanando, ça n'y a pas les cadeaux, ça t'a pas les bras didi, ça devait loucha nanananando, ça n'a pas. Ne deviens pas froid. Dieu dit que si tu es froid, si tu es tiède, il te vomit. Il ne veut pas des personnes tièdes, il veut des personnes enflammées pour lui. Ça est loucha, tu t'aimes, je suis pas la Dieu de tout ton cœur. Tout ce que tu veux voir, elle se réalise. Tu lui dis, tout ce que tu veux voir, quelle que soit la chose, il t'entend aujourd'hui, tu as compris? Il t'entend aujourd'hui et il est capable de faire. Toutes choses, il est capable de faire toutes choses. Ça est velou, chadia, les bradadado, ça dit velou, chananaba, les cadeaux, ça t'avale, les bradidi, Seigneur, dans cette atmosphère, je sais que tout est possible. Ça lit cadeau, ça t'avale, les bradidi, velou, chadada, les canons, ça n'y avale, les bradadado, ça t'avale, les cadeaux, ça n'avale, les bradadadada, les cadeaux, ça t'avale, les bradidi, velou, chanana. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Moi je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Velouche nananano, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ah, Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Ça devait louche à dire. Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir, fais-moi voir, fais-moi voir. Libra de Belouchada. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir, fais-moi voir. Libra de Belouchada, la la dosa dia vale, bradia nano, zada vale, zada. Ah, 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 je reconnais, je reconnais que tu peux. Et que rien n'était impossible. Mon Yahweh, je reconnais que tu peux. Ça devait louche à dire les bras nanano, ça dit. Et que rien n'était impossible. Ah Yahweh, fais-moi voir. Ta main nous touche,
des velousses. Ta main nous touche, libra des velouches, nanano. Ta main nous touche, la gloire est là, la gloire est là. Yahweh, ta gloire est là. Ta main nous touche, ta main te touche maintenant. Ta main te touche maintenant. Les bras disent sa gloire est là. Sa gloire est là. Une nouvelle dimension de lui est là. Ta main nous touche. Sa main nous touche. Ta main nous touche. Oui, sa main nous touche. Ta main nous touche. Disant Yahweh, sa gloire est là. Ta main nous touche, sa gloire est là, sa gloire est là, sa main nous guérit, sa main nous guérit, ta 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 main nous guérit, Yahweh, ta gloire est là, ta gloire est là, ta main nous libère, ta main nous libère, ta main nous libère, ta main nous libère. Salikano, salia valebra nanano, salive, salive lou, Jésus est là, Jésus est là, salia valebra nanano, salive lou. Ah, il fera, yeah, 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 yeah.
il a fait, 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 Jésus l'a fait, il a fait, ah, il a fait, il a fait, il l'a fait, il a 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 fait, oh, 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 il a fait. La Bible dit, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, nous devons d'abord croire que nous avons déjà reçu cette chose. Même si nous ne la voyons pas et nous la verrons s'accomplir. Donc, tu vas te mettre dans un esprit de Dieu a déjà fait, de Dieu a déjà accompli. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ça a béni quelqu'un. J'espère que ça a pu te permettre de prier. Ça a pu te permettre de parler à Dieu, de réveiller ta vie de prière. Et dis déjà merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. N'hésite pas à nous envoyer tes sujets de prière, des sujets d'intercession. On est disponible sur Instagram, que ce soit sur l'Insta de CFO, sur mon compte Insta, je lis tout le temps vos DM et on a un programme. Maintenant, retrouvez-nous sur Insta parce que c'est là-bas. Je mets mon Insta dans la barre de description. Je parlerai de tous les programmes. Et spécialement, Nathan, tu vas descendre juste pour prier pour la fin du programme. Tu vas descendre. Continuez. Salie Nevelu Shada Lebradiada Dado Zana. Ce sont les aléas. Libre à diado, ça n'a pas le cas à dado. Ah oh, yeah, il a fait. Oh, 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 il a fait. Oh, 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 il a fait. Amen. Donc, on va fermer les yeux, je prie pour la fin. Seigneur, je te dis merci pour ce moment que tu as permis que nous puissions parler, Seigneur. Ce n'est pas tout le monde, Seigneur, de ce soir, Seigneur, de ce monde qui peut t'adorer. Ce n'est pas tout le monde qui a la grâce à te connaître, Seigneur. Nous sommes dans ce privilège d'être tes enfants, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour ce moment-là, Seigneur. Je te dis merci pour toute cette grâce que tu nous accordes, Seigneur. Il y a nous qui sommes couchés dans les hôpitaux, nous-mêmes qui sommes morts. Nous qui sommes malades, Seigneur. Nous, tu nous apportes la santé, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ce temps, Seigneur, pour nous, Seigneur. Je te dis merci pour ce que tu as fait à la croix, Seigneur. Tu te dis, oh Seigneur, pour ce sacrifice ultime que tu as fait à la croix des gros côtés, Seigneur. Comment ne pas te dire merci pour ce moment, Seigneur. Et bien que nous puissions avoir beaucoup de moments-là comme ça, Seigneur. Nous voulons gagner des hommes, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. Bisous and be blessed, guys.